Dans la famille Courgeot, on est vendeur de voitures sans permis de père en fils. Tout a commencé avec le grand-père qui vendait des cyclomoteurs. On avait une clientèle de d'anciens qui commençaient à y vieillir, ils tombaient de l'eau, c'était un peu, on était content d'avoir été abrités, donc avec ça, c'était quand même plus sympathique qu'un mobilette. C'était un peu révolutionnaire, hein, c'est clair. Avant, parce qu'on avait une voiturette qui était un peu une voiturette d'handicapés, qui était fabriquée par les établissements Poirier à Tours. Enfin, les portes s'envolaient, par exemple, parce que les portes en polycarbonate, ça s'envolait à coup de vent. Hein. Mais les voitures sans permis ont bien changé. Décapotables ou relookées tendance, elles offrent les mêmes options que certaines berlines haut de gamme. D'où la nécessité de clarifier la législation en 2014. On était quand même sur une réglementation un peu floue entre le deux roues, le deux roues carrossées. Donc ils ont voulu essayer de trouver une certaine logique, je pense. Dire les voitures sans permis ne feront pas plus de 3 mètres et maximum 400 kg pour tout le monde et que ce soit bien respecté. On peut désormais conduire une voiturette dès 14 ans avec le brevet de sécurité routière. Les plus de 30 ans, eux, peuvent circuler sans code, ni permis, ni examen médical. L'an dernier, près de 25 000 voitures sans permis ont été vendues en France pour un prix moyen de 10 000 euros. Moi, j'avais qu'une mobilette, j'ai jamais eu de permis. Bon, bah, c'est bien pratique alors. Ah oui, oui, bah, dites, pour faire mes courses, moi, je rapporte pas mal de choses avec. Hein. Là, si j'avais pas ça, je pourrais pas me déplacer facilement. Hein. On croit toujours qu'il y a, que tout le monde a son permis. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de permis, soit des personnes, surtout des femmes veuves, ou des gens qui étaient en mobylette à la campagne et qui se rendent compte que bah, le voisin a une voiture sans permis et donc elle veut faire pareil. Les jeunes, parce que les parents ne sont pas tranquilles en scooter, c'est quand même assez dangereux. Et maintenant que la voiturette a tout d'une grande, ses ventes ont augmenté l'an dernier de 6%.